Bon les gars, je mets directement les points sur les i. Dans cette vidéo, je suis bourré et sous extasie. C'est bon? Au moins vous êtes prévenus les gars, au moins vous êtes prévenus. Et salut à tous et à toutes les gars, j'espère que vous allez bien. Ouais, je bois un coup directement au début de cette vidéo les gars. Donc on va se rendre ici parce qu'on n'y est encore jamais allé. C'est parti. Cette petite zone dans l'herbe, là j'y suis jamais allé, franchement ça m'intéressait pas de base. Donc on va quand même y aller les gars, je vous dis bonjour avec ma bouteille de Fanta les gars. Moi je suis comme ça, hein. Moi je vous le dis, je suis un drôle de personnage les gars. Quand je vous dis que j'ai des soucis, c'est que j'ai des soucis les gars, je vous l'ai toujours dit hein, de toute façon. Donc voilà, donc on va directement démarrer cette game, hop là, en buvant de la Fanta. Comme je vous l'ai dit, je m'en bats les steaks, hein. Vraiment je m'en bats les steaks les gars. Allez, donc on va se rendre on va se rendre ici du coup. Alors c'est quoi ça? En fait, il y a rien, c'est juste une vieille station de service toute pétée en fait, c'est ça? Ouais, d'accord. Donc en vrai, j'ai bien fait de pas y aller en fait. J'ai bien fait de pas y aller parce que c'est bidon quoi. Franchement, c'est bidon. Je me suis fait arnaquer. Bon, le point positif, c'est que vu que je suis là, je vais pouvoir tout simplement boire un coup de Fanta encore une fois parce que j'ai très très soif. Enfin non, cette game manque de peau pour vous les gars. Cette bouteille de Fanta les gars va me permettre de faire top 1. Je vous le dis honnêtement, à chaque fois il faut que je boive un maximum de Fanta pour faire top 1 en fait. Hop là, salut à tous, donc c'est une épicerie de manière très classique hein, d'après ce que je vois. Donc merci pour ça, ça fait plaisir. Voilà, c'est un plaisir mes amis, c'est un plaisir, merci pour ça également. Donc je vois qu'il y a quand même un petit coffre, donc on va pas se plaindre. Merci pour les kits de soins, ça fait plaisir. Oh putain, il m'a fait peur lui, what? Attendez, quoi? D'accord, ok, alors lui quand même il a un sacré culot hein, parce qu'en fait il a tenté de me buter à la pioche. Mais en vrai, j'admire son courage, c'est ça qui est bien. En vrai, j'admire son courage. Pour le coup, je vais boire à sa santé, en fait. Bon, je vous le dis honnêtement, je vais boire à sa santé. Non, mais franchement, j'ai énormément de respect pour ce garçon. Regardez, ah d'accord, donc là, la route se coupe ici. D'accord. Par contre, à quel moment vous foutez pas un petit peu de ma tronche, là, les développeurs? Parce que ça fait quand même un paquet de fois que vous vous foutez de ma gueule, hein. Mais bon, je vais quand même boire à votre santé, les développeurs d'Epic Games. Regardez. Ça c'est pour Epic Games, hein. Franchement je m'en bats les steaks, hein. Je bois devant eux, je m'en bats les steaks. C'est vrai que là on a quand même, tu vois, on a quand même un petit 4-4 de ses morts. Donc avec un petit 4-4 de ses morts, c'est vrai que, bon déjà on va boire un nouveau coup de Fanta déjà. Ça parce que ça me fait plaisir de boire de la Fanta, tu vois. Voilà, les gens qui n'aiment pas la Fanta, de toute façon vous êtes tous des fils de p***. Non mais après, à un moment donné les gars, c'est comme les végétariens. J'ai rien contre vous, mais vous êtes quand même de sacrés enculés. Ah, excusez-moi les gars, excusez-moi. Évidemment c'est de l'humour, mais je le pense vraiment. Hein, c'est pour vous dire les gars. Donc attends. Voilà, regardez. Là par exemple, je viens de trouver un igloo et je vois pas pourquoi j'irais pas m'abriter dans cet igloo là. Voilà, parce que les igloos c'est toute ma vie. Il y a même un coffre. Regardez-moi ça. Voilà un petit coffre qui fait plaisir, qui m'a même donné des popos. Eh, que demande le peuple, mes amis. Et il m'a même donné un sniper. Mais bon, le sniper, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le sniper c'est la vie. Et petit igloo, et qu'est-ce qu'on fait dans l'igloo, mes amis? Mais bien sûr. Mais bien sûr, vous avez tout compris, les gars. Hop là, olé! Regardez, regardez, je suis toujours aussi doué pour faire des figures pendant qu'il y a eu un bruit très chelou à côté de moi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je sais pas, j'ai cru que c'était un écureuil qui était en train de crever, peut-être, ou en train de chier, je sais pas, parce que j'ai entendu. Eh! Mais en fait, c'était moi, peut-être, parce que j'ai mal au cul, en fait. Regardez, il y a un lama! Ah bah, vous savez quoi? Les lamas, les gars, je suis obligé, hein. Le lama, vous allez voir que je suis obligé de faire un truc de fou avec le lama, hein. Franchement, je suis obligé. Alors, attention quand même, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai croisé un lama, et quand on croise un lama, qu'est-ce qu'on fait quand on s'appelle Antonio? Eh ben, on boit un coup, on boit à sa santé, les gars. Voilà, bon par contre après je vais avoir une grosse envie de pisser, mais ça c'est un autre détail. Quand j'ai dit qu'on devait boire à la santé de tout le monde, c'était pour tout le monde hein. Vraiment moi je fais pas de différence entre les attardés et les cons, tu vois. Donc salut à tous. Oh merde, putain j'ai voulu écraser mais ça a pas marché. Bon tant pis mais c'est pas grave, j'irai boire à sa santé après. Oh putain, il y a plein de gens ici. Attendez, il y a plein de gens, il y a plein de gens. Oh putain, je l'ai raté encore une fois, j'ai pas de bol. Ça c'est parce que j'ai bu trop de Fanta, du coup je suis bourré. Oh, on a croisé 3 personnes. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on doit boire 3 shots de Fanta les gars. Eh c'est chaud hein. Par contre faut que je trouve l'endroit parfait pour boire mes 3 shots de Fanta et ça va commencer à être compliqué hein. Ça va commencer à être compliqué mes amis. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais en vrai ça s'annonce quand même difficile hein. Surtout que là je suis visé de partout, donc ça s'annonce quand même très compliqué, très difficile quoi. Parce que quand c'est difficile, y a pas de mystère, c'est difficile quoi. On va monter là-haut en mode balestec les gars. Et on va montrer à tous ces losers qui c'est le boss. Oh putain, j'ai croisé un quatrième bonhomme. Attendez les gars, attendez. Faut pas trop qu'il me voit. Attendez, là, regardez, regardez. Là, ça fait 4 shots, hein. 4 shots. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4, les gars. Pouh. Hop là, donc au niveau de la zone, attention quand même, parce que on va éviter de s'y frotter, tu vois. Voilà, on va essayer de s'y frotter. Enfin, d'éviter de s'y frotter, putain, je bug. Je bug parce que j'ai bu trop de Fanta. Du coup, j'ai le cerveau qui est déséquilibré, tu vois. C'est pas grave, les gars, c'est un détail. Franchement, c'est un détail, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, surtout que je dois encore boire un nouveau coup.
Donc là, on est en train de monter, donc qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on boit un coup de Fanta, évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a par ici? Ici, il y avait plein de joueurs, d'accord. Il y avait plein de joueurs, mais personne n'a pris des coffres. C'est vrai que c'est très intelligent comme, comme système. Du coup, bah, il m'a donné de la bouse dans ce premier coffre, c'est génial. Ça commence très bien, mes amis, mais bon, c'est un détail, hein, tu me diras. On ne panique pas. Hop là, pendant que la bagnole n'arrive pas à tourner, c'est ça qui est bien. Hop là, ah, en plus, elle a plus de carburant. Ah bah, c'est génial. Hop là, donc attendez, du coup, on va se foutre là et on va l'abandonner parce qu'on aime pas les salauds. Hop là. Voilà, parce que non, parce que là, vu qu'elle a plus de carburant, c'est un salaud. Hein. C'est une salaud pour moi, cette caisse. Hein. Hop là, donc on va prendre. Vous savez quoi, on va prendre une petite moto pour changer un petit peu. Hop là, hop, 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 hop. J'ai failli partir avec le. Sans le fusil à pompe bleu. Mais quelle erreur! Hop là, salut! C'est à moi, frérot. Oh bordel, j'ai voulu lui mettre une balle dans la tête, mais bon, il est arrivé tellement vite que j'ai pas le temps de le suivre, le frérot. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir que je boive à sa santé. Il faut m'y faire penser, les gars. Il est sorti vraiment de nulle part, quoi. Le mec, il est sorti des chiottes, d'accord? Hop là, on se met là et on boit à sa santé, les gars. C'est important. Là, la Fanta, c'est comme la levrette. Il faut jamais l'oublier. Je suis bourré, bordel. C'est dommage parce que je voulais le buter, mais j'ai pas eu le time. Il voulait voler ma bagnole, donc j'ai paniqué, tu vois. Surtout que je voulais la moto, moi, à la base. Elle est pas mal, putain, elle est bien cette arme-là. Il faut que je la prenne. Elle est trop bien, cette arme-là. Elle est trop puissante. Je suis obligé de la prendre. Attendez, il y a des gens ici. Attendez, il y a des gens. Il faut que... Mais pas dans ma gueule, les méduses! Vos morts! Les méduses, elles ont voulu me buter. La Fanta, comme je vous l'ai dit, elle va m'aider à faire top 1, les gars. Je vous dis honnêtement, là, on est plus que 24. Franchement, ça commence à taper du système solaire sur la table. Hein, ça ne veut rien dire, mais. Allez hop! On boit un petit coup de Fanta. Regardez comment ma voiture est super rapide depuis qu'elle a consommé de la Fanta, c'est n'importe quoi. Regardez là-bas, il y a du combat. Il y a du combat, je suis obligé d'y aller. Parce que le combat, c'est toute ma vie. Ah, attendez. Ah non, mais tout le monde est mort! Il reste plus qu'un garçon. D'accord, il reste plus qu'un petit... Ah non, non, c'est bon, il y en a plusieurs. Ok, on va écraser lui. Allez, tant pis, on va essayer d'écraser lui. Ah mais en plus, c'est même pas un joueur, d'accord, là, la tristesse. Attendez, il faut que je retrouve le joueur, parce que là, écraser des ordi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans ma vie. Mais en tout cas, j'ai accompli une mission, c'est de faire de la merde. Ah d'accord, donc toi, tu tires sur les... d'accord. Ok, toi, tu tires sur... d'accord. Hop là. Ah, salut, oh! Salut toi, ça va, tu vas bien? Hop là, ouais ça va, ouais. Ouais ouais ça va, ouais. Putain il va balancer une grenade cette espèce d'enfoiré. Oh, espèce de salopard va. C'est un salaud, je le déteste. Quoi? Mais je suis mort comment? Non, ma Fanta m'a pas aidé sur ce coup là les gars. M'a pas aidé, en plus c'est un enfoiré de campeur qui m'a buté. Par contre la Fanta les gars m'a fait obtenir 90 000 XP dans cette game. Et ça c'est grâce à la Fanta les gars. Et grâce à cette Fanta les gars. Et j'ai fait des trucs de malade quand même dans cette game. C'est quand même énorme, même si de base j'aurais dû avoir 2 kills. On va pas se mentir. Franchement la Fanta m'a bien aidé quand même dans cette game là. Franchement c'est un placement de produit. Je suis con bordel. Bon si vous en voulez un peu il en reste un petit peu. Mais par contre... Soyez poli dans les commentaires. Soyez très poli. Le mec chantage affectif, tu sais. Et le micro, il va en boire. Ça n'a aucun sens. J'ai réussi enfin à la fermer, c'est un miracle. Puis le papier toilette là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Quelqu'un a vu mon godemiché en forme de pipe de cheval?